pas dit mais. Awa tozali na mbudi na komi na monga fula dans la ville province ya Kinshasa. Nenge bozo mona bana oyo bazo sokola mai oyo ezali fleuve esangani na quartier fleuve côte na quartier inondation oyo esalemi bandaku ezindi bat bakimi bandaku suite ya mal gérance ya mboka bakoma koteka e place nyonso bamoni espace vide il faut kaka bateka mapangu bisomba soma mapangu et voilà ba jara biloko aboyi fleuve azalaka na ba espace vide na ye ba poche na ye oyo a respiraka et ba poche wana nyonso ba teki teki yango ekomi mapangu tandis que espace vide ezali ebele na Congo oyo ba kosomba mapangu. Salon de coiffure, bota la pompage. Bota l'église à la borne. Maman! Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bon, dinero. Yesue. Dinero. Osta dinero. Na na kacha boato. Osta dinero. Mama. Ma ezo vimba kaka ko vimba. Osta dinero, dinero. Po eza ko dinda. Mon dinero. Dieu. Ya. Chérie, ay dinero. C'est bon. Ma député, bonsoir, on t'a de côté. Ah, si, on est là, on t'a de côté. Bonjour papa. Machine, on a deux.
En 4 mois, la dette du Gabon a été payée et sa crédibilité auprès des bailleurs de fonds restaurée. En seulement 4 mois, nous avons remis le pays au travail et lancé les travaux de voirie dans les grandes villes. À ce jour, ce sont 421 km de routes qui ont été revêtues en bitume, en béton bitumineux et en pavé. En seulement 4 mois, nous avons mis à disposition 8 900 postes budgétaires au profit des enseignants, des personnels de santé, des professionnels des médias publics et des forces de défense et de sécurité. De même, nous avons levé le gel sur les recrutements, des avancements, des reclassements et relancé les concours d'entrée dans les grandes écoles. Nous avons opté pour la préférence nationale dans l'attribution des marchés publics inférieurs ou égaux à 150 millions de francs CFA. En seulement 4 mois, nous avons considérablement réduit le train de vie de l'État. Ces efforts se sont matérialisés par le renoncement de mon salaire de président de la République, la réduction de l'effectif des membres du gouvernement, la réduction des salaires des parlementaires et de leur nombre, et par une meilleure maîtrise de la dépense publique. L'accent doit être mis sur le quotidien des Gabonais. Nous avons la responsabilité d'apporter plus de richesses dans ces familles gabonaises. Les Gabonais méritent une plus grande considération et aspirent à un mieux-être. Et ma responsabilité en tant que président de la République est de veiller au bien-être des populations gabonaises. C'est pourquoi j'instruis le ministre du Pétrole et du Gaz de prendre toutes les dispositions administratives et techniques nécessaires afin qu'à compter du 1er janvier 2024, le prix du gaz en République gabonaise soit revu à la baisse.